On effectue toujours, euh, en amont de la mise en place euh, des AVS, une évaluation des besoins au domicile de, de la famille. Cette évaluation, elle sert euh, bah, déjà à lister un peu bah, quelles seront les tâches à faire, à faire le point sur le plan d'aide, c'est-à-dire le nombre d'heures, et, et après, au niveau du planning, et ben, à moi, par exemple, de mettre en place une, deux, trois interventions par semaine. On a euh, ce qu'on appelle la fiche d'identification des besoins qui nous est transmise par le travailleur social, c'est-à-dire qui va évaluer que nous avons 40 heures mensuelles et que sur les 40 heures mensuelles, il faut faire l'entretien du logement, l'entretien du linge, la préparation des repas, l'aide à la toilette. Souvent, on se heurte à la limite des plans d'aide, c'est-à-dire des financements euh, bah, des différents organismes. Et aussi, euh, bah, des fois, euh, le, la remontée des aides à domicile n'est pas forcément la même que la remontée des aidants. Pour savoir les besoins exacts de l'aider et de l'aidant, parce qu'il faut quand même, tant que l'aider a la parole et peut s'exprimer, c'est quand même à lui à dire ce qu'il a besoin, et puis de l'aidant après, eh bien... C'est à eux à dire ce qu'il faut faire chez soi. Il me semble quand elles ont une réévaluation de leur, leur dossier ou un renouvellement, on leur rappelle bien aux, aux aidants, aux familles. Euh, bah C'est important que la personne ne soit pas seule avec justement le, le travailleur social qui va venir, mais qui est euh, bah, ça peut être nous, les, les aides à domicile, les auxiliaires de vie, ou quelqu'un de la famille pour pour peut-être parce que la personne ne va peut-être pas pouvoir ou ne va pas vouloir exposer vraiment ses difficultés et le travailleur social ne va évaluer correctement justement les difficultés de la personne et les besoins réels. Moi, ce qui me paraît vraiment important, c'est qu'on démarre sur un bon pied, c'est-à-dire que l'analyse la, du besoin permet réellement de répondre aux besoins de la situation, à la fois de l'aider et de l'aider, enfin de la famille autour. On a toujours eu l'aide physique. mais Probablement, ce qui a manqué, euh, c'est euh, un, un accompagnement de se poser tous ensemble autour d'une table et de se dire bon bah ben, qu'est-ce qu'est-ce qu que papy qu'est-ce que tu veux mamie qu'est-ce que tu veux euh, voilà euh, les, les autres membres de la famille qu'est-ce que vous voulez et les soignants enfin les, la responsable qu'est-ce qu'elle euh, qu'est-ce qu'elle peut Qu'est-ce qu'on qu qu peut voir Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses J'avais un petit peu de temps. Bon, on faisait de l'aide à la toilette avec le SIAD, On faisait pas mal de choses. Et souvent, il me restait cinq minutes. Donc, je l'installais. Je lui mettais du coloriage. Et je me souviens que son mari un jour est rentré et m'a dit :« Mais qu'est-ce que vous lui faites faire ?» Enfin, Et moi, en fait, c'était effectivement pour lui. Pro... Enfin. Pour cette dame qui restait alitée quasiment tout le temps et qui, euh, bah, du coup, c'était une petite distraction qui, en plus, lui plaisait. Ça peut les gêner l'activité qu'on peut faire. Alors, soit, comme disait ma collègue, ils peuvent penser qu'on les infantilise. Selon le choix peut-être de, de ce qu'on a choisi à faire comme ouvrage. Donc là, si c'est peut-être important de bien dialoguer avec la, la personne aidante. Pour ça aussi que j'insiste sur le fait de ne pas être seul, parce que effectivement, euh, quand on est seul, on a une intervention personnalisée, mais on voit notre vision à nous ça nous responsabilise trop et euh, parfois la collègue elle peut vous dire oui mais moi tu vois je fais comme ça et ça passe très bien je prends conscience du fait que euh, finalement les aidants on nous explique pas au départ euh, ce que vous pouvez faire parce que j'ai le sentiment que moi on m'a jamais dit que euh, le rôle, euh, d'abord c'était plus aide ménagère et euh, que euh, finalement euh, le, le rôle de, de ces intervenants professionnels euh, C'était aussi euh, l'accompagnement euh, à l'autonomie, euh, etc. Je pense, du coup, en travaillant avec vous, que c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Le faire entendre aux familles, c'est que nous sommes complémentaires et que on peut harmoniser nos relations pour le bien-être de la personne aidée et qui nous voit pas arriver comme. Euh comme des personnes qui, qui vont leur donner des, des, des leçons ou leur dire ah, ⁇ Il faut faire comme ci, faire comme ça ⁇ Ils ont des compétences, on est en mesure de les, de les reconnaître, de les accepter. Et eux aussi, après, d'accepter que nous, on a des, des connaissances et on, à, ensemble, on peut faire au mieux pour la, la personne qui est, qui est en difficulté, qui peuvent nous faire confiance. On ne prend pas leur place, mais on, on est là pour comme eux pour le bien-être de la personne que l'on vient, euh, vient aider. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir nous tutoyer. Comment est-ce qu'on se place par rapport à ça Il y a des gens qui vont être trop familiers et qui vont tout vous Moi je sais que ce qui m'a désarçonné sur mon premier sur la toute première intervention après mon diplôme, c'était un interrogatoire. Et vous êtes marié et, euh, et vous avez des enfants et vous faites ci, vous faites ça et ça fait longtemps. Et le titulaire, il arrive quand Parce que vous, vous êtes la stagiaire vu votre âge. Systématiquement, je prends ma blouse parce que pour moi, quand je rentre chez quelqu'un, ben voilà, je suis professionnelle. Quand je rentre chez quelqu'un, j'ai je, je, voilà, je, ma vie à côté. Donc voilà, ça me permet de couper. Pour et, enfin, limiter la fragilité du, du système qu'on a organisé, euh, il faut protéger se protéger en tant, que, en tant que aidant et en même temps euh, mettre en place ces aides techniques pour protéger les gens qui viennent aussi à la maison. Parce qu'il faut aussi protéger euh, toutes ces personnes qui viennent, nous qui viennent nous aider. Parce que si elles sont malades, si elles se font mal au dos, et ça va être encore des remplaçantes et on va être encore en difficulté. Quand on a euh, face à soi un, un, une personne qui a besoin d'aide euh, dans les déplacements, dans, voilà, qui a besoin de manutention, euh, ça me paraît euh, important qu'effectivement, puisse être proposé aux aidants, d'une part, euh, les possibilités techniques. On a changé, bon, bien sur la salle de bain, on a mis les passages de porte, on a fait, etc. Comment on peut aménager son, sa maison aussi, ça c'est un point important. Et puis, effectivement, peut-être faire quelques points euh, de formation, quelques demi-journées de formation sur la manutention elle-même. Il y avait une formation euh, par un psychologue, prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Oui, c'est vrai que là, on a pu se rendre compte de, de vraiment du manque d'informations que les aidants euh, rencontrent, que ce soit finalement euh, sur les aides auxquelles elles ont droit, et également sur l'évolution de la maladie. C'est vrai qu'il y a vraiment un problème de, de ce côté-là. On voit aussi y a un problème de manque de formation sur les gestes qu'elle peut faire peut-être pour déplacer quelqu'un euh, sans se faire mal. Et connaître le, le, le matériel. Alors c'est aussi notre rôle en tant qu'auxiliaire de vie de faire de faire connaître ces, le matériel. Et comme disait ma collègue, eh bien souvent il, ce matériel il n'est pas accepté par euh, par les personnes parce que soit ça tient trop de place, soit le, euh, elles ont peur de pas savoir s'en servir ou ça les ça les dérange euh, ce, ce matériel. Je pense que déjà euh, de connaître la maladie, former sur euh, les maladies. Parce que, enfin pour un exemple concret, il euh, euh, y a un, un couple, et, et en fait, monsieur ne, ne comprend pas la maladie. Et ça. Ça peut avoir des, euh, des difficultés après, par rapport à son comportement puisquil il, il pense d'une certaine façon qu'elle réagit que sa femme réagit euh, euh, comme ça, elle le fait exprès. Euh, donc il bah, y a de la colère après qui, qui ressort alors que non c'est la maladie et que sil si, euh, avait une formation par rapport à cette maladie, peut-être qu'il réagirait moins violemment parfois. Il n'y a rien d'aborder pour la relation avec les aidants en formation. Strictement rien. On nous on nous apprend le, le savoir être avec la personne qu'on va aider, mais pas avec son entourage. On a, moi, je sais qu'il n'y a rien du tout sur sur la relation à entretenir avec les dents, ce qu'on peut leur demander, ce qu'on peut ce qu'on a en droit d'attendre d'eux, rien. Et c'est assez difficile après quand on va à domicile de de, de faire en sorte de travailler avec, de travailler avec eux aussi. C'est encore un peu plus difficile. Quand on sort de formation, même avec les stages, quand on arrive à domicile, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Il y, y a des choses qui ne se passent pas comme elles devraient se passer. Y a, et puis c'est différent, il n'y a rien à faire. C'est beaucoup plus concret que, que ce qu'on a vu en formation, même en ayant eu beaucoup, beaucoup de stages. Par rapport aux formations, euh, parfois on nous fait faire des, des jeux de rôle quand même. Alors c'est des formations qui durent sur deux jours, mais euh, parfois, euh, bah, si c'est une situation aidant et aidée, on va faire... Il euh, y aura une personne qui fera la personne, enfin un rôle de chaque. Et après on va changer pour qu'on puisse ressentir euh, ce que chacun. Euh, si on était à la place de la personne aidée, qu'est-ce qu'on ressentirait dans telle situation? Enfin, c'est une mise en scène et du coup ça nous aide aussi, ou à la place des aidants. Et voir où, voilà, si l'auxiliaire de vie réagissait comme, comme ceci, si on était la personne aidée, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on ressent Je pense que les les intervenants comme les aidants, on a il faut qu'on soit patient, le respect de la personne et la dignité pour les pour l'aider. Le, la personne aidée n'est pas n'est pas un enfant, mais une personne adulte malade ou en perte d'autonomie. Donc, ne pas lui faire sentir qu'il est une charge. Ça, c'est pour les deux, hein, pour les aidants comme pour ceux, les professionnels. Puis être disponible. Vous avez dit quelque chose sur. Euh, ben on ne sait pas ce qu'on peut attendre des aidants. Alors, moi, ça m'intéresserait de savoir euh, qu'est-ce que vous attendez de nous, en fait. Ce serait vraiment intéressant qu'on ait des moments où on puisse échanger, finalement. Et c'est vrai que c'est encore. Il euh, y, y a peu de temps où on, on aborde. Euh, on aborde ces sujets et comment, comment trouver sa place, comment se, se mettre en, en accord, autant les, 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 les aidants que, que nous les professionnels, pour, pour œuvrer au mieux pour la, la personne.